Notre philosophie à nous reste la gastronomie. Ainsi, nous commençons par mettre de l'huile à chauffer pour y faire rissoler nos morceaux de poulet que Marie-Josée saupoudre de poivre. Ah, c'est bien là. C'est pas mal là, hein? Est-ce que vous cuisinez beaucoup? Est-ce que c'est compatible, la littérature et la cuisine? Oui. Bah, d'ailleurs, la comtesse de Ségur l'a prouvé. C'est vrai. Alors, cette recette, vous la tenez de qui? Alors, j'ai fait un petit peu, comme je le dis, un peu d'archéologie culinaire. Ce joli petit livre intitulé « La cuisine modèle de la comtesse de Ségur ». Pour l'écrire, j'ai pris, bien sûr, dans les romans, tous les passages qui évoquent la nourriture, la gastronomie. Et puis, à partir de là, j'ai cherché les recettes de l'époque et je les ai accommodées pour les amener à notre période. Donc, à partir de maintenant, on flambe le poulet, c'est on ça peut, avec oui, calvados. Oui. On promet quoi, un petit verre à liqueur comme un ça. Verre à liqueur, oui. Alors, flambons. Ouh, ça s'est pas loupé. Ça tombe bien, on est dans une maison en bois. Nous versons dans la foulée un demi-verre de cidre brut. Un demi-verre, bon allez, on y va, oui. Comme ça, au jugé. Je trouve qu'un demi-verre, c'est court. C'est court, oui. Oh, oui. Une pincée de muscade pour aromatiser notre volaille et nous laissons mijoter le tout 15 minutes à feu doux. De belles pommes rainettes que nous épluchons et découpons en quartier accompagneront notre poulet flambé au calvados et arrosé de cidre. Normandie oblige. Il faut savoir que nous sommes en Normandie avec la comtesse de Ségur et Rostopchine parce que, en 1820, le comte Fiodor Rostopchine offre à sa fille le château des Nouettes. Donc ce fameux château des Nouettes, qui a été sa maison pendant toute sa vie quasiment, où elle a écrit toute son œuvre. Ce château des Nouettes va devenir le Fleurville romanesque. Fleurville, c'est le château fictif, le château romancé. Des petites filles modèles. Et comme c'est un écrivain réaliste, elle va s'inspirer de ce qu'elle connaît. Et alors à quel moment la littérature entre dans sa vie? Au moment où ses petites filles, Camille et Madeleine de Malaret, les petites filles modèles, les petites filles modèles, sur lesquelles elle va écrire, vont suivre leurs parents à Londres. Et elles vont quitter leur chère grand-mère. Leur grand-mère adorée. Qui leur racontait des histoires. Ah, et donc elle va leur raconter des histoires par le biais de la correspondance, d'accord. Et le fameux cahier va ensuite être proposé à la publication. Alors, parlons de cette publication. On dit que son mari, qui était à l'époque président des chemins de fer de l'Est, aurait permis l'accord avec Hachette, c'est ça? Oui. Hachette, qui était jusqu'alors un simple papetier, un libraire sur le boulevard Saint-Michel, a eu cette idée absolument géniale, Louis Hachette, de créer la bibliothèque des chemins de fer en vendant les ouvrages dans les gares et en désignant une couleur pour les collections spécifiques à chaque âge. Et le rose sera dévolu à la littérature pour les enfants. Et la comtesse a été un des premiers auteurs de la bibliothèque? Bien sûr. Alors, revenons à nos poulets. Ou plutôt à nos quartiers de pommes que l'on rôtit et dore légèrement dans du beurre. On les dépose délicatement. Oui. Bon, on va être délicat tout en étant efficace. Voilà. Je pense qu'on pourrait rajouter un petit coup de cidre pour déglacer ces bons sucs. Ce serait dommage de s'en passer. J'adore parce qu'au départ, c'était un demi-verre de cidre. Je pense qu'on va finir à la demi-bouteille. Voilà. On couvre, on compte 20 minutes, ce qui me donne parfaitement le temps d'aller noter ça sur mon petit carnet. Merveilleux. Pour réaliser le poulet Vallée d'Auge, comme l'appréciait la comtesse de Ségur, prenez un poulet fermier d'un kilo 8 coupé en morceaux, 7 pommes reine des rainettes, 20 centilitres de crème épaisse, un verre de cidre brut, un demi-verre de calvados, 80 g de beurre, 3 cuillères à soupe d'huile, une pincée de noix de muscade, du sel et du poivre. Si les morceaux de volaille doivent être à point, il nous reste à préparer la sauce d'accompagnement. Celle-ci doit se faire dans le plat de cuisson. Nous réservons donc la viande. Oui, très bien. Il est bien cuit. C'est du bon poulet de ferme. Hein. Élevé au grain. Voilà, une belle cuisse. Alors, on va mettre ça de ce côté-là. Regardez comme c'est beau. Là. Impeccable. Puis ça a caramélisé grâce aux pommes. C'est idéal. Nous gardons 4 quartiers de pommes pour les réduire en purée. On les écrase très soigneusement, en les incorporant donc au fond de jus de cuisson. Mm-hmm. Je sens que c'est une recette que je vais refaire à la maison, ça. Il a bonne allure, mm-hmm. Une fois la sauce bien homogène, nous la mettons sur le feu en y incorporant de la crème liquide et en la fouettant jusqu'à ébullition. On va napper délicatement.
Vraiment, la chair du poulet est bien infusée de pommes. Comme ça, ça vous paraît bien? C'est parfait. Et puis peut-être le reste en saucière. Oui.